Bonjour, bonjour. Mes chiens, Agnès, dans la baie de la ville. C'est à la première tour, à Saint-Ailly. Deuxièmement, il y a Niermont et le village ou la petite ville de Saint-Aubin. La baie est bien historique. Dans la baie nouvelle, le château Elisabeth et les vieilles forts de Saint-Aubin. À Saint-Aubin, il y a la vieille cochée. Et à Saint-Ailly, il y a les neuf cochers de la ville. D'un but de la baie, nous voyons les monts de la ville et le fort région. Et de l'autre bord, c'est Niermont. Et au but de Niermont, il y a la petite tour, Chano, la tour de vente. Acheteur, la tour est peinte en Nier et Bion, et c'est un maire pour les navigants. Mais au fait, c'était une partie de la défense. Ici, à la première tour, il y a un tout. Je ne suis pas la première, je suis bâti en Géry, mais c'est la première en faisant la tournée de l'île de Saint-Ailly. Les marais sont importants dans la baie. Acheter chez le Baggio. La mer est mieux rien. Et nouvelle sabion. Et le galop et des gens à lui promener sur la grève. La reine Victoria, notre duc, qu'on visitait au 19e siècle, ou criait que c'était une belle baie et où la comparait à la baie de Naples, en Italie. Si nous pourrions la comparer même au jour dernier, je ne sais pas ça. Mais en tout cas, le soleil y fait bien et la baie est belle.